Donc voilà, Jonathan, un petit peu le plan que je qui peut être mis à notre disposition. Donc sur l'axe qui va de Creuse à la voie de Cléry, entre guillemets, aucune opposition ferme peut être mise en place. Donc aucune bataille, mais par contre tout le reste c'est OK. Reconnaissance. Nous on essaiera de d'alterner à la fois partie en véhicule et puis partie à pied. Donc ça nous fera arriver ici. Donc nous on essaiera pareil de faire une reconnaissance à peu près jusqu'à la voie de Cléry. Comme je te le dis ici, aucune bataille n'est possible parce que comme on sera sur la voie publique, on ne peut pas se permettre en fait de couper une voie, en plus c'est un axe quand même assez important pour aller à Rumesnil. Donc on ne peut pas se permettre de couper la voie. Donc c'est à partir de la voie de Cléry donc, où peuvent se mettre des observateurs allemands que peuvent commencer les défenses allemandes. Donc de la voie de Cléry jusqu'au nord de Rumesnil. Donc dans tout ce secteur-là, c'est possible. On remonte dans tout ce secteur-là aussi. Comme je te l'ai dit précédemment, il y a le bois et un talus qui encadrent en fait un chemin. Donc ce chemin-là, pareil, peut être stratégiquement assez intéressant parce que comment ça peut permettre de faire une ligne de défense vraiment solide. Ensuite, il y a des renfoncements. Et des pâtures ici entourées de haies qui peuvent aussi être de très bons bastions défensifs. Et ensuite, on se rejoint tous ici, entre guillemets, pour la capitulation, quoi. Donc, je récapitule un petit peu de manière plus large. Nous, on part de Creuse. On arrive là. Aucune bataille donc ne peut être effectuée sur ce segment-là. On descend deux escouades ici, une qui partira vers le nord, une qui partira vers le sud, mais qui stationnera ici en fait. C'est plus par sécurité. On continuera ici. Donc libre à vous en fait de mettre tous les différents moyens que vous avez à votre disposition pour nous arrêter. Il y a ici ce passage-là. Nous, une escouade qui sera positionnée ici partira vers le sud pour libérer Rumesnil. Les véhicules suivront et viendront ici. On essaiera de s'installer, donc ça prendra quand même du temps pour positionner des observateurs aux quatre coins donc de Rumesnil et au niveau du pont. Ensuite, dès l'instant qu'on sera bien positionné, on remontera donc avec les deux unités vers le nord, au niveau de votre position défensive. Sachant que tout ce secteur-là est à votre disposition, bah pareil, pour mettre vos positions. Et ensuite, nous, on passera ici pour remonter jusqu'à Nams, et là se terminera la reconstitution. Voilà.